Et nous revoilà. Hop là, nous revoilà pour reprendre Spiritfarer. Se diriger vers une quête de nos pères, d'un de nos esprits qui est sur notre bateau. Quelqu'un voulait nous parler. Je pense que ça va devoir attendre le lendemain matin. Tu as besoin de dormir, Mia. Moi aussi. Alors, il est où? Ça me mettait quelqu'un voulait me parler, mais j'ai plus l'impression. Donc, t'es coincé dehors? À quelle heure? Très bien. Ce soir, nous, c'est pas grave. Ça peut arriver. Moi j'avais décalé ma journée pour faire livrer un colis important aujourd'hui et toujours pas arrivé, ça commence à me gonfler.
Donc là, dans le jeu, on est parti dans un lieu de souvenir d'une des âmes qui est sur notre bateau. Non, je voudrais parler à cette âme. Oh. Très bien, et je vois que les dons ont monté tranquillement en global. Je veux bien lui trouver. Là. Je veux bien lui trouver sa boîte à musique à notre ami. J'aime pas, ça les rend tristes. Ah, je me souvenais pas qu'elle avait eu du café la dernière fois. Voilà, sachant qu'on veut du tissu depuis tout à l'heure. Ok, il va nous falloir plus de bois et plus de fibres. Pour l'instant, on ne sait pas passer ça, je crois. Un point d'interrogation.
On a un peu de mal à couper là. Oui. Oh bah oui, on va les suivre. C'est parti. On voit même plus d'aphodie. Alors voilà, on visite une île, on va couper un arbre, le respect. Hop là. Notre chat fait déjà beaucoup de choses. Je l'ai pas raté mon pépère là. Ah non. On va pas couper l'arbre de bonne fortune, rassurez-vous. Oh là là, bah merci beaucoup. Merci pour ce fabuleux don. Putain, ça fait une autre tier list à faire. Merci Katam. On a déjà une tier list Genshin de peut-être prévue ce soir. Sinon, ce sera ce week-end. Enfin, j'actualise les goals. Hop. Non, on n'a pas...
qui me dit. Tu me dis si j'ai fait une faute. J'aimerais bien pouvoir ramener les moutons parce que je les trouve mais adorables. Je ne me souviens plus si on peut faire un truc avec les moutons. Donc vous voyez enfin affiché le goal ultime. Le goal ultime, c'est que Mia a décidé de se sacrifier pour vous. Et de vous monter un col à vélo. Parce qu'il y a un des deux membres du CAF qui aime souffrir. Mettre une direction, mais il va pas tarder à faire nuit. Mais c'est quoi, même pour 1000 euros, j'arrive pas. Je le passe pas le col. Hein. Peut-être celui-là. Je suis bien meilleur en anatomie qu'en vélo. Oh là là, des nouveaux lieux à visiter, des caisses. Alors, boum, c'est parti. Allez, debout les feignasses. En tout cas, on vous remercie pour vos dons et on vous rappelle que tous les 20 euros c'est un. Pourquoi je peux faire que des vêtements? Pardon. Tous les 20 euros c'est un panier repas pour une famille de 3 personnes pour 2 semaines. Attendez madame, je vous écoute pas, mais parce que je suis partie récupérer les déchets. Non, je suis pas du bon côté. Hop là. Je suis quand même la spécialiste pour me vautrer en descendant de mon bateau. Alors. Ah ouais, non, je pourrais pas lui échanger ça, j'ai pas de sol ni de saumon, va falloir que j'aille pêcher plus.
Allez, touc touc le bateau. Oui, je suis meilleure pour prendre soin des plantes dans les jeux vidéo que dans la vraie vie. Voilà, en discutant avec toutes les âmes et tout ça qu'on a, bah, on voit leur parcours de vie, leurs regrets. Comme je vous l'ai dit, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais qui a quand même un fond assez mélancolique, enfin qui parle de choses assez mélancoliques. Des chaînes ici aussi. De ce que je vois des arbres. Non. Mais je veux ces moutons avec moi. Oh, ça, ça ressemble à une nouvelle âme. Bien sûr que je vais aller chercher le mouton. J'ai un doute sur le fait qu'il va monter les escaliers. Ah, excusez-moi, ça sonne chez moi, je reviens.
Excusez-moi, c'était un colis de la vraie vie qui sonne à la maison. Mais me revoilà. Alors, je vais récupérer son mouton. Je suis sûre que Daffodil pourrait se coucher sur le mouton et qu'on formerait une belle équipe. Alors, faut se rappeler où est-ce qu'on a vu des moutons. Et on va faire ça. Je crois qu'on en a vu un, c'est sûr, dans la première ville, mais il y en a eu un autre. Je pense sur... Oh, il y a trop d'îles à visiter. Enfin, s'en rappeler, là, on n'est pas allé. Hein. Ah, ça nous indique où est-ce qu'on a croisé des moutons. C'est fabuleux. C'est parti. Opération Moutmout. Oui, je sais que la cuisine a besoin d'amélioration, mais on a besoin de ressources pour améliorer la cuisine. Voilà, il nous faut plus de lin. Il faut être patient. La fonderie, pour l'instant, on ne sait pas la faire. Faire le sanctuaire de sa mère et ça ne va pas loger. Il va falloir réorganiser tout ça pour faire loger le sanctuaire de sa mère. Attraper ce mouton. Non mais regardez-moi ces petites animations, je fonds moi. Ça on peut y acheter. Ah,
pouvoir faire du thé. Voilà, on va les ramener un mouton. Oh là là, mais il y en a des choses à récolter ici. C'est parti. Voilà, donc on a actuellement un mouton qui se balade sur le bateau et qui vient de sauter. Non, il a sauté vers le haut. En fait, il s'est pas grimpé à l'échelle avec cette petite patte. Donc il... Il fait des jumps. Ce qui est assez logique qu'il sache pas monter une échelle, mais... Voilà, il est là-haut en train de... De faire sa vie de mouton, quoi. Merci beaucoup pour le don. Merci Lanox, oui. Alors, on a... Voilà, maintenant on peut mettre deux ingrédients dans la cuisine. Écoutez, moi je mets des harengs et des carottes. Hein. Ici on est pour l'innovation. Ils ont senti l'air de la montagne, ce sont les collègues. T'inquiète pas, moi j'ai pas encore donné non plus. Une bouillabaisse. Personne ne crève de faim ici. Allez, viens, on va rentrer le mouton. Je sais plus si je peux aller en chercher plusieurs et les ramener tous à la fois ou s'il faut faire un par un. Oh là là, non mais j'adore. J'adore toutes ces petites pattes là. Thank you.
Donc en fait, elle veut qu'on lui fasse. Non, non, c'est que je me trompe de touche, le jeu. Je cherche. Alors j'ai l'inventaire, mais je cherche où sont les quêtes. Alice, elle veut bien venir si on lui construit un chalet. Sauf que nous, le bateau, il est un peu serré, mais je vais essayer de voir ce que je peux faire. Non, on ne sait pas sauter là-haut pour l'instant. C'est pas grave. Chose ici. Mais oui, mais oui. Franchement, ça me fait super plaisir de vous stream ce genre de jeu. Je pense qu'après, plus tard, je pourrais voler, monter là, mais pas là. Peut-être que je vous le continue après l'event si vous avez envie de voir la suite. Graines de pommes. Je sais pas encore aller là-haut. Ah. Faut que je regarde ici. Oh. Un passage secret. Ah, il y avait autre chose, mais c'est pas grave. On va ressortir. Alors, on avait mis qu'à 700, vous streamez le jeu de votre choix, que ce soit en mono ou en duo, hein, ça, il n'y a pas de souci. Moi, je me dévoue. Pas de jeu de plateforme, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de faire un chalet pour Madame Alice, pour qu'elle rejoigne notre bateau. Des côtelettes de porc. Alors moi je veux bien. Mais je sais pas comment on fait ça. Bah ouais, il faut du porc. C'est... J'ai pas tué de bidoche pour l'instant. Hein. Alors, je voulais construire le chalet d'Alice. Ouh là là, mais il faut du fer aussi. Ouh là là, et du lin. Bon, c'est pas pour de suite qu'on aura Alice. Par contre, je pense pas pouvoir même faire loger. Eh non. Hein. Ça va être compliqué. Je suis pas sûre de pouvoir faire loger. Non, ça logera pas là, quoi que je fasse, ça ne passera pas. Je vois pas comment. Parce que celui-là, là, il déborde. Enfin.
Si je mets tout tout en haut. Je vais regarder quelle taille il fait notre chalet d'Avis, mais. Le sanctuaire de sommaire, pardon, mais. Ouais, le truc c'est ça quoi. C'est un peu compliqué. Si je remonte des trucs, je tente des choses. Mais j'y crois pas trop. J'y crois pas vraiment. Je ne vois pas vraiment comment résoudre ce problème. Je pense qu'il va falloir que j'agrandisse le bateau pour construire l'espace de... Ouais. Parce que là, ça ne me tiendra pas. C'est bien, j'ai tout bougé comme un gland. Je sais plus, j'ai plus me souvenir où sont mes... Où sont mes affaires. Parce que là... Je pense pas qu'il loge. Ça n'a aucun sens ce bateau. Et non, il est immense le sanctuaire de Summer. Ouais. Donc non, on va aller agrandir le bateau. C'est loin pour agrandir le bateau. C'est pas grave, hein. Mais c'est loin. Allez, on est parti. Donc je rappelle que je peux jouer de la musique pour faire pousser mes plantes. Avec le petit chat qui chante. Et tout le temps où je fais de la musique, les plantes poussent. J'ai tellement tout essayé de bouger. Ça va être de grave. Mon pépère, je vais pas pouvoir te faire. Je crois que je puisse mettre quelque chose dans avec les grains. Non. Bon bah j'ai fait du café, c'est pas grave. Je tente de mélanger des moules et du maïs. Ici, on ne craint rien. Voilà, on nous a demandé de faire des côtelettes de porc, mais c'est un petit peu délicat là, parce que ben, je sais pas, j'ai pas croisé de viande hein, depuis le début du jeu. Donc j'entends bien que t'as faim, mais t'auras pas de côtelettes de porc, pépère. Qu'on est arrivé pour que ça bouge plus.
Ah non, c'est que j'ai enlevé la route, je me disais, c'est bizarre. Bon, est-ce que tu as des nouvelles, toi, de tes clés? J'aime trop parce qu'ils ont leurs petits équipements de sécurité et tout. C'est serious business ici. Hop là. La maison d'invité. Donc voilà, on sait pas l'améliorer. Par contre, je peux améliorer le refuge de Gwen. Voilà. Bah pourquoi elle est triste? Ah bah non, on va aller au maximum, super. Ah! J'avais oublié qu'ils ont des relations entre eux et que j'ai mis Atul juste à côté. Bah non, même pas juste à côté, mais bah... La grenouille fait trop de bruit pour la biche. Les vrais problèmes. Oh, tonton, là, je vais retourner pêcher, excuse-moi. Là, pardon. Alors, le requin a un humour de merde. Et c'est-à-dire qu'il a un humour de merde pour moi, donc ça doit être un sacré humour de merde. J'y mis beaucoup de mayonnaise. Ah bah oui, il faut du lin. On va pouvoir agrandir notre bateau qui va s'appeler le Lamantin Aventurier. Et j'ai toujours pas de lin.
J'ai pas de lin parce que j'ai tout transformé en tissu en fait. Donc on va aller arrêter nos bêtises. Il faut arrêter de tout transformer en matière finie. Eh ben, j'ai pas vu combien il m'en fallait. Je viens d'aller voir, hein, mais j'ai déjà oublié. Hop, paella. Boum. Voilà. On a une boîte aux lettres. Qu'est-ce qui faisait du bruit? C'est mon téléphone. Pardon. Donc oui, je devais faire des maisons. Une maison pour Summer. Ça y est, on a gagné. Alors là, on va encore tout réaménager. Le premier, on va essayer de faire, de pas mettre le sbeul. Alors. Alors, non. En vrai, toi, je préfère te mettre tout en haut. C'est horrible, hein. Rien n'est fait pour s'imbriquer, c'est... C'est un casse-tête. Ça... On aurait besoin que les choses soient à peu près à la même hauteur, s'il vous plaît. Bon, il n'y a pas deux choses qui sont à la même hauteur, là. Hop. Vous allez voir, ça va prendre forme. C'est pas parfait. C'est pas parfait, mais c'est mieux. Pour l'instant, toi, je vais te mettre ici. Voilà. Une seule, il nous en fallait une pour une de nos quêtes, c'est parfait. Je n'ai pas demandé si Mia fera le top tiers, parce que donc on a passé des nouveaux paliers, c'est juste qu'il va falloir qu'on les accomplisse. Je sais pas si Mia a joué au Final Fantasy comme moi, sinon je vous ferai un top tiers de qualité solo, avec beaucoup de mauvaise foi évidemment. Elle passe jamais cette nuit là. On peut pas démarrer le bateau pendant la nuit.
Moruche. Il n'y a rien de planté ici. Ah, ça y est. C'est l'heure de réveiller notre équipage et de partir. Ah mince, je pense que... Oh, c'est pas grave, j'ai pas fait exactement ce que je voulais faire. Ah, j'ai pas vu qui était là, hein, mais Spiritfarer, je rappelle le concept, on joue, on remplace Caron et on accompagne les âmes dans l'au-delà. Et on fait leur dernière volonté un petit peu. J'espère pour toi aussi, Mia. De toute façon, c'est pas grave, hein. On reprendra ce soir après manger pour la partie stream. Et puis pour la partie toi, j'espère surtout que tu vas pouvoir rentrer. Alors, on a un groupe d'anticapitalistes qui nous écrit. Et donc, ce sont les ratons laveurs qui nous vendent des trucs. Et qui nous arnaquent H24 aussi. Voilà, et en fait nos habitants sur le bateau, ils nous font aussi notre craft un petit peu. Moi je voulais construire la maison d'Alice, mais on sait pas faire. Il faut du fer, et pour du fer, il faut une fonderie. Et donc il nous faut du chêne, enfin voilà. On n'a pas le popotin sorti des ronces. C'est raté, chef. On arrive au dragon.
Ouais. En fait, chaque esprit a un petit peu son... sa quête de ressources pour que vous récupériez des ressources. Et vous pouvez choisir quand ça apparaît de le faire. Enfin, passer la première fois, vous pouvez choisir de le faire ou pas. Et la quête de Madame la Serpent, c'est... je suis tombée. Oui, bah oui, je vois bien que je suis tombée. Aïe. C'est un dragon qui a des... de la corruption sur lui. Ça vous permet de récupérer des quartz. Moi, ça me permet de tomber dans l'eau, là, surtout. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, passer la première fois, vous pouvez vous dire, bon, bah, j'ai assez de quartz, et lui dire non. Avec la grenouille, vous pouvez, avec Adul, vous récupérez, vous pouvez faire la chasse aux éclairs pour mettre des éclairs en bouteille. Et voilà, je sais que la partie gestion de ressources rebute des gens, hein. Pour moi ça fait partie du jeu. C'est chill, ça me va très bien. Par contre du charbon, je pense qu'en mettant du bois dans mon four, je vais pouvoir en faire. Annie, oh, ma cuisine. J'ai perdu ma cuisine. Ah là-haut. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais là, j'ai mis juste de la sueur. Oula. Ah, dans 10 ans. On va aller faire autre chose pendant que ça se fait, ça. Ah mince, ça a cassé. Allez, allez. Alors qu'on avance, je vais aller jouer de la musique à mes plantes, moi. Mmh.
Hop là, nouvelle île. Pour l'instant, je sais pas sauter là-haut. Ouais, il se récolte cet arbre. Ok. On a des esprits qui adorent cracher sur les gens. Très bien. C'est hyper sympa. Ne faites pas ça. J'aimerais bien qu'on récupère Damalice. Mais il me faut des ressources. Il faut que nous soyons patients. On va aller voir le marchand itinérant puisqu'on a récupéré quelque chose pour lui. Hop. Il faudrait peut-être que j'aille nourrir les gens quand même. Je sais que tu veux des côtelettes de porc, chouchou, mais j'ai rien. J'en ai pas. Alors, oui, la couleur du soir, ouais, j'aime bien aussi. Course. Ah non, j'ai toujours pas le saumon. Oh là là, ni de gelée. Oh là là, oh là là. Ah ben il manque plein de choses. Oh là là. Oh bah ben, c'est une catastrophe. Ben, on va s'en aller, hein. Plus sérieusement, je suis un petit peu du père, ça c'est visité, c'est vide. Ouais, je vois pas ce qu'on aurait raté ici. Je crois pas pouvoir aller ici. Je pense que je ne sais pas encore passer cette barrière bleue. On va aller faire un petit peu de récolte de caisse.
Non, on vient déjà de l'arroser, ça. Tac, c'est celui-là. Donc j'avais besoin de charbon, je suis en train... J'espère que je suis en train d'en faire. Je sais plus trop ce que ça fait, ce que j'ai mis dans ma cuisine. J'ai mis de la sueur de bois. En vrai, je suis en train de... Voilà, mais ça va mettre 210 heures, donc je pense que c'était une mauvaise idée. Non, mais ça va être super long. Je vais quand même essayer avant de... Ouais. Je vais quand même essayer autre chose avant... Alors, on va mettre une bûche, voir si c'est plus efficace. Arrêtez-vous, arrêtez ce bateau. Continue, bah... Ah bah non, il fait... on est à l'heure du dodo. C'est pour ça que ça ne roule plus. Ah, ça y est, notre bûche en bois. Et cuite. Voir si c'est bien comme ça qu'on fait du charbon. Oh, que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Laissez-moi descendre de ce bateau. Attendez, excusez-moi, il y a une otarie sous acide. Elle est pas adorable? Alex, Alex Lotari. Non, non, Alex, on a bien compris, c'est pas Alexander. C'est un nom de merde. Ok, alors on espère qu'il y a personne qui s'appelle Alexander dans votre entourage. Hein. Voilà. Alex, from comptable to conducteur de bus. Ok, en fait, il peut nous emmener où est-ce qu'on veut. Donc si là, on veut se rapprocher... Ok, c'est pour aller plus vite et pas se taper des déplacements imbuvables. C'est très bien, on valide. C'est une très bonne idée. Bah, moi, je dirais bien faire le point d'interrogation qui est là-bas. On s'est téléporté, ça y est? Ça doit être bon. Attendez, je crois qu'il y a ma cuisine qui prend feu, par contre. Les vrais problèmes, là. Ok. Donc, il va nous falloir... On va mettre d'autres bois à cuire, hein. Ah non, ça va aussi lentement avec la sûre. J'avais dit que je voulais essayer la sûre avant. Je vois pas à quoi sert la sûre. Calmez cette otarie. Hop. De toute façon, ah oui, on avait aussi besoin de récupérer des méduses, je crois. Hop. En fait, il nous faut une fonderie, donc il nous manque un de charbon pour la fonderie.
crois que ça fait longtemps que j'ai pas nourri Madame Serpent. Voilà, elle va crever de faim si je me sors pas un peu. Ça demandait du café, donc on va faire du café. Top. Ah, on a nos petits poireaux et nos petites salades. Écoutez, ma vie est merveilleuse. On va pouvoir faire notre fonderie. D'autres charbons, mais ça prend 3 plombes à faire, c'est pas très passionnant. Tiens, on va faire du riz et des poireaux. Voilà. Zébardi! Hop, la fonderie. Oh putain, qu'elle est grande! Mais alors pourquoi? Ah bah oui, elle loge pas! Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Mais ce jeu, il est cruel hein, sur la taille. C'est faut être riche pour améliorer son bateau. Hein. Est-ce que si toi, je te mets là... pour faire loger une fonderie. Eh mais non, 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 non. Ah là 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 là. Et après faut que je loge une maison sans déconner. Ouais bah comme ça on va mettre la fonderie puis on va jouer à Tetris autour de la fonderie. Alors. Parce que ça j'aime pas trop commencer. Et là, évidemment, non, là, il faudrait que je la décale d'un cran ma fonderie, ce serait parfait. Voilà. Non, pas du tout, mais pas du tout. Là, on est bon. Non, là, c'est trop grand. Je dirais pas, hein, mais on essaye d'optimiser. C'est juste que j'ai pas le compas dans l'œil, donc faut que je pose pour voir à chaque fois. Est-ce que là, toi, tu logerais? Oui, parfaitement. Hop, la cuisine. Ah, ça loge pas, il y a un espace mort. Mais quel. Non, je dirais pas quel quoi. Et toi là, si je te mets là. Non, tu loges pas à cause du toit. On va y arriver. T'inquiète pas.
laisser les professionnels faire leur travail. On peut que lui vendre, on peut pas lui acheter. Voilà, moi j'aime beaucoup ces âmes là, hein. C'est le club des âmes anticapitalistes. Cassons-lui les jambes et plus de congés. Ah, vous avez de la pluie en Belgique. Je me demande si c'est pas un lion. J'aimerais pouvoir lui parler. Voilà. Oui! On va s'en prendre au patron. Bougez pas, je vais vous le chercher, moi, ce patron. Hop là. Attendez, excusez-moi. Ah, je peux les verser si tu souhaites, hein. Je peux rien en faire de ces fusibles pour l'instant. Alors pour l'instant, attendez. Oui, j'ai bien compris. Voilà, t'as faim, chouchou. Alors, faut que je vois comment monter là-haut. C'est ça le nerf de la guerre. Voilà. Non, non, mais le patron, là, il fait que... Non, mais... Regardez-moi, là. On leur coupe la tête. Là, 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 là. On va le manger, le patron. Alors, il faut que je trouve. Oui, je vois bien que ça. Qu'il faut que je trouve comment. J'en mets mon dos en face.
Comment on a fait tout à l'heure pour la quête? Voir les quêtes. Là. Parle encore au terrible PDG. Bah ouais, j'y retourne. Je vous dis, je crois me souvenir que c'est un lion qui est beau comme tout. Merde, zut, flûte. Ce patron est très courageux. Et hop là, on est du côté des travailleurs ici, nous. Et moi, je suis ravie, parce qu'on va avoir quelqu'un de nouveau dans le bateau, vous allez voir. Et je crois dans mes souvenirs qu'elle est... Enfin... Que je la trouvais très très belle. Ah, je peux pas aller au... Emilia, je pense qu'elle va te plaire. Oui, c'est ça, c'est un genre de lynx, un carac... Elle est ouf. Je sais pas si c'est toujours l'Emilia, mais voilà, elle est magnifique, je trouve. Belle. Mais elle est si belle! J'adore. Le gros chat syndicaliste en colère, je crois que c'est une de mes préférées. Les petites patounes! La nuit, on passe la nuit. Thank you.
On va aller voir Olga la tortue. Voilà, nos premiers lingots. Vite! Ah, non, je veux pas attraper d'éclair cette fois. Je veux... J'en ai assez pour l'instant. On a refait de la paille. Donc notre projet, c'était de faire la maison d'Alice. Mais pff, il faut du fer et du lin, on n'a absolument pas le niveau, ni de près ni de loin. On pourra lui mettre une plante quand on aura des poireaux. Mais je sais que tu veux des côtelettes de porc, mais j'en ai pas. Ça va finir par arriver. Je l'adore. C'est vraiment mon perso chouchou. Je pense que Mia l'a pas encore vu parce que je suis sûre qu'elle sinon elle piaillerait devant moi, devant le gros chat. Comme moi devant le gros chat, pardon. Pardon. Hein, on est d'accord, elle est magnifique, Mia. C'est la représentante, c'est la syndicaliste en colère. Allez, allez, moi je sais pas, je la trouve. Elle est parfaite. Voilà. Mmh.
Ah mais oui, non, c'est... Elle est parfaite. C'est une queen. Je trouve que les mecs qui sont à l'animation dans le jeu, enfin les démarches, enfin voilà, c'est très très beau. Elle a un sale caractère. Voilà, elle s'appelle Astrid. D'un côté, ta brosse à cheveux, je sais pas à quoi elle sert. Alors moi, vu qu'on a quelques difficultés sur le retour de Mia, etc., je pousse le stream jusqu'à 18h et après je ferai la pause parce qu'on viendra dans la soirée toutes les deux avec Mia. Et aussi pour faire le top tier sur mon Genshin avec Neris. Et pour vous faire aussi... pour faire la fin des dons et... Et vous faire aussi notre retour sur, sur ces 5 jours. Voilà, on plante des choses sur la tortue et à la fin, c'est normal si tout sent la fraise. Vous vous débrouillez avec cette info. Moi, je sais pas trop ce qu'il faut planter. On va remettre un peu d'érable, même si c'est facile à trouver. Du quartz, je sais pas. Eh, c'est la chute! J'ai moi remonté dans mon bateau. Je replante des poireaux, mais je crois pas en avoir. Non, j'ai pas de poireaux.
Voilà. Et elle vient, Madame Serpent, elle vient jouer de la sitar devant nos plans. Donc c'est une syndicaliste sûrement issue du milieu de la métallurgie, qui est passionnée par les fonderies. Ah oui, alors elle va me réexpliquer comment ça fonctionne. Je l'avais déjà fait, mais c'est pas grave. J'en ai fait qu'à ma tête. En fait, on a. Vous voyez, on a. Non, madame, vous me gênez pour appuyer sur les soufflets. On voit la zone pour que ça chauffe de manière optimale. Voilà, c'est en vert là. En fait, oui, voilà, chaque compagnon peut utiliser vos ressources. On en a des choses à visiter là, plus sérieusement. Pas tarder à faire nuit. Je fais une pause de 3 minutes. Je reviens. Donc si des gens arrivent, paniquez pas. Ah, faut que j'aille sortir les trucs de la cuisine avant d'y aller. Peur qu'on ait des problèmes, sinon. Les fraises avec rien.
c'est la nuit. On a un long trajet à faire. Et oui, si j'annule pas, on va rester coincé ici. Faut que je lui dise que je veux pas attraper d'éclair tout de suite. Je sais plus s'il y a un habitant nocturne, mais pas pour l'instant, mais je crois qu'on en aura. Ah, j'ai dit oui. Super, j'ai pas fait gaffe, je lisais le chat. Bah, c'est pas grave, on va attraper les éclairs avec notre ami qui joue de la flûte. J'avoue, j'adore la musique de quand on attrape les éclairs. Et il est tellement heureux de jouer de la flûte. J'aurais surtout dû prendre le bus, mais je pense que maintenant c'est plus de bon plan. Je sais pas où est-ce qu'on est. Non, c'est plus de bon plan. C'est pas grave. Faudrait qu'on aille attraper des méduses aussi. J'ai oublié de prendre l'Otaribus. Qu'on a pour un petit moment de trajet là. Je savais d'Alice, on sait pas le faire.
sais qu'on a déjà fait avec des légumes racines. Je sais pas si on a fait avec des champignons. Tac. Bah ça c'est le bus, mais je crois qu'on est à côté de là où on veut aller maintenant. On n'a plus trop d'intérêt à prendre le bus. On va aller voir si nos passagers ont faim. Alors lui il veut toujours que je lui donne des côtes de porc, mais je sais toujours pas faire des côtes de porc. On a tous nos problèmes. Oui, j'arrive à te donner à manger. Elle est trop chou. Alors, elle est où? Alors ce personnage, hein, nous parle du dragon, etc. On sait qu'elle bossait dans l'agroalimentaire, qu'elle a utilisé beaucoup de produits toxiques, etc. Elle a pas une histoire très... Enfin, elle a une histoire un peu triste, voilà. Ah, on a trouvé son plat préféré. Ah, on va trouver du métal ici. Ah ben on a refait de la bouillabaisse. Très bien.
Ah ben ça c'est bien. On est d'accord qu'on prendra le stream qu'après manger par contre maintenant. Je puisse avoir une pause. Pas que ça me tue à la tâche, mais c'est que j'ai du taf à préparer pour demain et mercredi. Toute notre chère Astrid, elle adore être dans les mines. Et elle aime la métallurgie. Pas encore, on sait pas faire ça. Du fer, il me tarde de pouvoir faire les lingots là. Pour construire une des maisons. Pas du rêve, leur patron. Ressortir. Je sais pas si on peut aller. Non. Je peux pas aller plus loin. Ah, on a reçu du courrier. Elle est si belle. Un câlin au chat, je vais le faire après.
Regarde, tu veux un câlin au chat? Au gros chat. Et on va essayer de lui faire une demeure, mais... Ah si, on peut faire ce qu'il faut, le bungalow d'As... Toujours plus de place, ça ne logera pas. Alors, là ça va commencer à devenir compliqué en fait. Ça va commencer à devenir très compliqué. Je suis pas convaincue de... Non, bah non, je peux pas te mettre là, toi. Je suis pas sûre que sans agrandir le bateau, je puisse faire... le bungalow d'Astrid. Ah non, faudrait qu'il loge. Ouais, voilà, non, il prend trop de place. Mécaniquement, ça ne passera pas. Faudrait agrandir le bateau. Mais je suis pas sûre qu'on puisse agrandir le bateau, là. Au niveau de Thunas. On va aller voir ce qu'on peut faire, mes petits potes. Alors ici, on a une nouvelle île. Ah, on aura du port. Ah bah attendez, on va aller là-bas parce qu'on a quelqu'un qui nous demande du port depuis 3 plombes. Mettre des poireaux de nouveau. Non. Pour l'instant, on sait pas faire, mais on pourra aussi récolter des étoiles filantes. Ça, j'adore. J'oublie de réveiller nos habitants, je crois. Est-ce que le fer, je sais le fondre? C'est la grande question. Oui. On fait le fer et puis après on débarque. Parce qu'on est quand même serré sur ce bateau. Et bah à tout à l'heure, Mia. Oh non, on a tout perdu, je suis allée trop loin. Bon, je referai tout à l'heure, flûte. C'est pas grave, j'étais dans mes pensées. On va aller sur l'île à la place.
Et nous, on est comme ça, on rentre chez les gens. Pardon, excusez-moi. Oh. Voilà. Les ratons laveurs, les tanuki, on nous explique bien que ce sont des salauds capitalistes qui nous volent. Hein. Ouais, je Tom Nook. Dis donc, vil raton laveur. Donc on sait où est la gravure. On n'a pas de verger. Ah, du lin, on va en avoir besoin. Voilà, on va acquérir une nouvelle compétence. Trop bien. Ok, d'accord, j'ai vu où est-ce qu'on voulait aller. C'est le tanuki là. Voleur. Voilà. Donc, il va nous demander, enfin on va devoir aller récupérer. Mince, on a chopé la maison de chez qui là? Il y avait une maison qui était fermée tout à l'heure, je sais plus où c'était. Mais on va pouvoir faire du porc. Des côtelettes pour notre ami la grenouille.
des endroits où faut aller. Là, ce sont des mines. Ça m'intéresse pas, des masses. Je vais avoir besoin de récupérer des ressources. Oh. Mais on peut pas aller ici, je pense. On va voir, mais je pense que le mur bleu, il nous bloque pour l'instant. Gwen est partie. Mince, il faut qu'on aille retrouver Gwen. Attendez, ma priorité ça va être de retrouver Gwen. Donc non, non. Je pense qu'elle est partie. C'était où? Ah bah juste à côté. On va s'arrêter à la Villa Maggiore. Je pense qu'elle est retournée là-bas. Ah voilà. On est coincé par un élément de décor. C'est pas grave. On a... On va aller par là. Oula! Oula là, j'ai fait convulser un serpent, je crois. Ça va bien. Ah, oh, mais c'est encore en train de puer. Alors, vu que je change l'aménagement de mon bateau toutes les deux secondes, hein, je passe mon temps à être paumé. C'est un super pouvoir, ça. Allez, ma cuisine. Ouais. Pouvoir aller donner des côtelettes à notre copain. C'est pour ça qu'on avance plus. On est déjà arrivé, hein. Mais non, on n'est pas arrivé. Alors pourquoi est-ce qu'on avance plus? Parce qu'on s'est arrêté là, c'est pas faux. Fallait que je contourne le problème, c'est vrai.
Je sais que Gwen n'est pas là, je suis partie la chercher. J'espère qu'elle est à son île. Et oui, c'est un petit cœur d'artichaut, notre syndicaliste chaton. Être l'heure de dormir. Ouais, parce qu'on sera pas arrivé. Tac. Comme je disais, le bateau il avance pas la nuit donc. La nuit, on peut soit faire des activités pendant que le bateau est à l'arrêt, ou aller se coucher pour faire redémarrer le bateau, et vu que là, je voudrais continuer la quête. Alors, qu'est-ce qui se passe, oncle Aldu? Un baril de poulet frit. Mais je sais pas faire du poulet frit. Je sais pas faire de poulet, en fait. Voilà. Alors, on va aller voir si notre ami est là. Et pendant que notre serpent joue de la sitar à nos champs, voilà. Voyez. C'est en train de crever de faim, notre copine, là. Ok, on va ramener Gwen sur le bateau. Hop là.
Je sais pas exactement. On va aller attraper des. Il faut qu'on attrape des méduses volantes. Non, il faut les méduses vertes. Non. Ah, ah. Oh, je l'aurais passé tout là-haut. Ah non, je l'aurai pas, c'est pas grave. Ah, j'ai tombé. Il va falloir qu'on reparle à Gwen. Je pense savoir ce qu'elle va nous demander. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer avant d'arrêter de streamer, quand ce qui se passe quand on emmène une âme de l'autre côté. C'est vrai que Summer voulait que je lui donne quelque chose, mais je sais pas où elle est, Summer. On va envoyer le bateau. Attendez, on va peut-être. Je vois où est-ce qu'on est, on va peut-être prendre le bus. On est comme ça, nous. Alors elle croit en la lithothérapie. Ouais. Ouais. Même si c'est du bullshit, on va pas lui briser le cœur. J'arrive à te donner à manger. Mmh. Alors la compagnie de bus, c'est une otarie. Voilà. Débrouillez-vous avec cette info.
On va accompagner Stella à son dernier voyage. Sûrement, vous aurez pu voir un arc complet d'une des âmes. On va se laisser ici. On reprendra ce soir avec Mia. Bonne à tout à l'heure et puis bonne fin d'après-midi.